Mon fils, comprenez que Naomi est une fille unique et une fille gâtée. Elle peut présenter parfois un comportement indigne. Et de ses heures tardives, c'est une entreprenante. Je ne sais pas, c'est par rapport à son travail ou comment, je ne sais pas. Permets-moi de vous t'arracher la parole parce que c'est ma femme à la maison. Quand elle a un programme qui est lié au travail, je le sais. Ok. Et d'habitude, elle me le dit. Et quand elle ne me donne pas son programme de la journée, non, ce qui veut dire, elle a un programme qu'elle ne veut pas que je sache. Je ne sais pas. Vous voyez un autre visage, une nouvelle Naomi que vous avez connue. Ben, j'ai découvert. Vous avez eu le temps d'être ensemble pendant un bon moment? Ben oui, déjà. Et alors, comment se fait-il que vous n'avez pas pu découvrir ces habitudes-là? Je ne sais pas, papa, si je dois dire que Naomi, c'est une hypocrite. Je ne sais pas. Parce que je sais, il y a un ami qui m'avait dit, une femme, quand elle vient dans le mariage, elle amène tout un sac de défauts. Ah, elle amène ça, ok. D'où il faut que toi, en tant que mari, et tu les découvres, ces défauts. Maintenant, c'est bizarre parce que tu commences à l'aménager et l'arranger. C'est bizarre parce que je le découvre déjà dans ma maison, tout en étant marié. Oui, déjà une personne peut changer un défaut si elle reconnaît que c'est un défaut. Mais si la personne ne reconnaît pas, n'accepte pas que c'est un défaut, c'est difficile de changer. Ce qui se passe, oui, on a eu le temps de parler avec Naomi. Quand tu discutes avec ta femme à la maison, une fois que tu commences à lui faire montrer ses défauts, ses fautes, c'est là où elle change de ton. Elle tonne, elle crie sur moi. Parce qu'elle sait très bien que quand elle crie, moi, Vini, je fais pour film. Non, ça va. T'es sûr? Ah, tu transpires. Oh là là. Mais la clim de ta voiture ne fonctionne pas ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, ça va, il n'y a rien. T'es sûr? Écoute, je te connais. Oh, Jésus-Christ. Pardon? Chérie. Tu sais. Je sais pas si je dirais quoi. Ça va pas? Je fais une erreur. J'ai vraiment fait une erreur. T'as fait une erreur où? Au travail. Si, quelle erreur? Je n'ai même pas compris. Comment est-ce que je pourrais arriver jusqu'à ce point? C'est pas grave, j'espère. C'est grave. Laisse-moi te le dire que c'est vraiment grave. Bébé, il s'agit de quoi? Mais je pense que s'il y a un souci au travail ou quoi, tout problème, ça se résout. Il s'agit de ma signature. Je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé jusque-là. N'a signé Loro Moro. Et je ne me suis même pas rendu compte après. Bon, oui, bel et bien. Waouh. Comment t'as pu? Comment t'as pu, bébé? Mais non, toi seul, tu es au courant de ça. Personne ne sait, c'est ça. On m'a reproché pour ça. Les autres personnes savent. Tout le monde le sait. Même le patron. Déjà. Et tu es mal barré. Et là, je suis en attente. Je ne sais pas quel est mon sort. Je me pose des questions. Je suis vraiment, vraiment abattu, chérie. Mais comment tu as fait? Comment tu peux pas lire un document avant de mettre ta signature? Comment tu peux pas lire? Tu pensais à quoi en ce moment-là? Ok, mon fils. C'est une femme. C'est ta femme. Je ne peux que te demander de la supporter. Et de la prodiguer de conseils. C'est une femme, vous savez. Et il y a beaucoup de choses par rapport à leur être. Et si toi tu ne la supportes pas, et ok, ça va, je vais l'appeler. Je vais l'appeler et je vais mettre le point sur les i. Et je crois
tu auras un bon résultat. Et que ce comportement va changer du jour au lendemain. Imagine que Naomi me dit un jour, quand on devait sortir, elle était habillée, je peux dire, elle n'était pas habillée. Elle était presque à moitié nue. Et j'essaie de lui demander d'échanger sa tenue parce que c'était une rencontre avec des amis. Chaque ami devait venir avec sa femme. Et elle me dira, je ne peux pas changer garde-robe nangai, papa nanga ayeba kinga na banda kola tamboui. Et ce n'est pas à toi venir de me changer parce que je suis devenue ta femme à la maison. Ok, je prends bonne note. Je vais l'appeler. Merci beaucoup, papa. Merci. Et comment le boulot? En tout cas, ça marche. Ça marche, Dieu fait grâce. Ok, merci beaucoup. Tu lui diras que papa a besoin de toi. D'accord, papa, je ne manquerai pas. Il s'agit de combien? On parle de combien d'argent ici? C'est combien en chiffres? 60 000. 60 000 dollars? Ah. Wow. 60 000 dollars. C'est ton salaire de combien de mois? Afina. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Comment ça, je crie pas sur toi? S'il te plaît. Comment tu peux faire une erreur comme ça? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai très bien dit que je n'ai pas compris. Mais tu n'as pas compris. Est-ce que tu pèses les conséquences? S'il te plaît, ne prends pas la tête comme ça. Mais tu pèses les conséquences? Et si tu perdais ton travail aujourd'hui? Tu dois être là pour me soutenir. Comment je vais te soutenir? Soutiens-moi ces moments, s'il te plaît. Soutiens-moi ces moments. Je peux pas. Fortifie-moi. Parle-moi des bonnes choses. Ne me stresse pas, s'il te plaît. J'ai de problèmes, tu comprends ou pas? J'ai des problèmes. J'ai fait une erreur et ça me coûte mon travail. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Je te demande de me comprendre. Je t'exige de me comprendre, s'il te plaît. Non. Pas comme ça, David. Pas comme ça. Et si tu perdais du travail, on n'aura plus de travailleurs, on n'aura plus rien. On va faire quoi? On va faire comment? Comment on va s'en sortir? Comment? Mais est-ce que tu as pensé à ça au moins? Merde. Ça alors. Waouh. Je rêve là. $60,000. Dieu fait grâce. Ça s'est bien passé le boulot. Bah oui, hein, ça a été pas mal du tout. Ok. Attends, je te vois quand même ça. Et toi, ça a été ta journée? Ouais, c'était pas mal. Tu peux enlever ça, chérie? Bah oui. Okay. Attends, laisse-moi faire. Tu t'es vraiment fatiguée. T'inquiète pas, tu auras droit à un bon massage. Ouais. En plus de cela, je dois prendre un très bon bain. Je vais t'aider à le faire. Je vais manger ça doucement. Qu'est-ce que tu as préparé alors? Bah, pourtant je t'avais demandé de me faire le missili. Mais... Quoi? Demain je t'ai fait, mais promis, je... Non, aujourd'hui tu l'as pas fait. Non, j'étais fatiguée, mais je t'ai préparé un truc, mais... Parce que tu étais fatiguée parce que tu faisais quoi derrière mon dos? Bah, bébé, justement.
T'as oublié que j'ai dormi tard hier. Ah ouais, c'est ça. Tu l'as oublié. C'est ta chanson du jour de toutes les façons. Non, t'aimes trop ça. Demain, je t'ai promis sans faute. Mais si, non, t'as envie à moi, attends. Arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Non, ça va. Honnêtement, j'ai un problème avec Bobo. Travail. Comment ça? Quel problème? Jusqu'à présent, moi-même, j'ai du mal à comprendre cela. Honnêtement, moi, je fais mon travail. Mmh. J'ai vraiment fait mon travail en tant que marketeur de l'entreprise. Je me suis abattu au fond pour que je gagne ces contrats. Mmh. Mais à ma grande surprise, Bobo m'appelle aujourd'hui au bureau pour me dire que non, voilà, Azomo na makambo moko ezo tambo na mala moté. En fait, je ne sais pas par où commencer, comment l'expliquer. Bah, justement, c'est ce qu'il a dit. Comment ça, je comprends rien. Avec Bobo, ça a toujours été comme ça. Il ne faut pas les écouter. Tu sais, tu es parti. Quand j'ai appris que tu étais de retour, ça m'a fait un grand plaisir. Pourquoi? Parce que tu es déjà venu, tu as vu dans quel état se trouve ton ami. Mais papa, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qui est en train de me surpasser, comment c'est là? Comment dans seul coup comme ça, quelqu'un peut perdre ses jambes? Comment dans seul coup comme ça? Et la personne qui l'avait tamponné, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et puis vous l'avez laissé comme ça? Non, elle ne l'a pas laissé. Moi, je n'étais pas là. Quand elle a connu cet accident, la personne a fui. Tu sais, à Kinshasa, quand on connaît un accident comme ça... Tu sais, à Kinshasa, quand on connaît un accident comme ça, très souvent, le chauffeur ne s'arrête pas, il fuit. Mais si j'étais nu à cause avec toi, ma fille... Parce que tu as vu dans quel état se trouve ton ami. Et moi, je suis fonctionnaire. Le fonctionnaire, maintenant là, qu'est-ce que nous avons comme salaire? C'est son plus grand problème, c'est son plus grand défaut. Quand il commence un truc, il ne finit pas. Et tant que je suis là, c'est à moi, il faut revenir. C'est ça son plus grand problème. Bob me dit que non, voilà comment ça se fait qu'il a signé un contrat avec Oyoye. Ayebi mutuna makolonangote contrat wana mbonga bimi 60 000 $. Je t'explique. C'est beaucoup d'argent. Bobo me dit qu'il a signé un papier au niveau du travail. Papier wana est allé qui est bimi ça 60 000 $. Une grande somme comme ça, je veux. C'est beaucoup d'argent. Je demande à Bobo comment tu as fait pour faire sortir autant d'argent. Moi honnêtement, c'est ce que j'aimerais savoir. Mais attends, c'est... Il était ivre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui a pris, je ne sais pas. Ben là, il est en train de tout nier. Que ce n'est pas lui qui a signé ce papier. C'est moi le fautif. Ok, je dois tout gérer à partir de maintenant. Lui expliquer comment ça se fait, comment est-ce possible qu'il y ait autant d'argent et bim à l'entreprise. Voilà le plus grand problème. Mais il ne peut pas t'accuser comme ça. Toi, tu n'es pas un voleur. Et s'il lui dit que ce n'est pas lui qui a signé ces contrats-là, je ne sais pas moi. Peut-être que... Je sais pas, mais bon, que lui m'a boité, c'est volatilisé pour les gens de France. S'il continue, en tout cas, je préfère que les bots soient au courant par rapport à ça. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Mais... Vous êtes collègues, vous traînez ensemble. C'est à vous de vous asseoir et réfléchir. Justement. Parce qu'imagine aucun à niveau à boss et qu'après, vous récupérez cet argent. Tu me proposes quoi? De parler avec lui. Je veux parler à Bogo de quoi? Il s'agit de quoi? Parce que moi, je ne connais pas cette histoire. C'est lui qui a signé le papier, ben c'est pas moi. Donc toi, tu n'as jamais vu... Je n'ai jamais vu ce papier. Moi, je cherchais un contrat, je suis venu auprès de M. Bobo. Je lui ai dit, voilà, j'ai un marché. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il a fallu que je fasse quoi d'autre? Peut-être que c'est lui-même qui fait... Non, avant de signer un papier ou soit un contrat, on lit ce qui est dedans. Est-ce qu'il avait fait ça? Est-ce qu'il a lu? Tu vois, si j'insiste, je voudrais vraiment que vous pouviez fassiez quelque chose... Pour belle vie. Merci beaucoup, ma chérie. Elle se repose encore. Hein? Oui. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour votre ami. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette maison, à l'époque, avec le salaire du fonctionnaire, j'ai su entretenir dans la mesure du possible cette maison. Mais maintenant, là, avec un salaire insignifiant qu'il nous accorde à la fin de chaque mois, qu'est-ce que je peux faire? Et quand je pense aux soins qu'elle mérite, etc., c'est difficile. Hein? C'est pourquoi je te demande, je te supplie,
de pouvoir l'assister, afin que le sourire revienne sur sa bouche, sur ses lèvres, parce que là, vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Et elle m'inquiète beaucoup. Si tu peux, de temps en temps, vraiment être à côté d'elle, au soutenir, quoi, vraiment. C'est bon, papa, je le ferai, parce que pour Bellevue, je suis prête à tout. Est-ce qu'il était, en fait, il était dans quelle humeur pendant qu'il faisait ce genre de choses? C'est ce que moi, j'aimerais savoir. Bébé, s'il te plaît, calme-toi, ok? Je suis sûre qu'il y aura une solution. Parce que s'il lui dit qu'il ne l'a pas eu, toi non plus, je ne sais pas moi, mais bon, patientons d'abord, réfléchis tranquillement. Mais qu'il arrête, hein? Qu'il réfléchisse aussi, c'est normal, parce que vu que c'est lui qui avait signé, peut-être qu'il était saoul, qu'il avait des problèmes, je ne sais pas moi. Qu'il arrête de me traiter comme ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Je te comprends. Il ne peut pas me convoquer dans son bureau pour me gueuler, je ne suis pas son enfant. Je suis pas son enfant, je suis désolé. Je suis son ami, je suis son collègue. On s'arrête là. Maman, tu peux te calmer un moment s'il te plaît. Je te préviens quand même. Je te promets rien, mais je te préviens que s'il continue de faire ça, là, en ce moment, Aoye Basunga non s'anime. S'il continue d'agir comme ça, je ferai une chose aux qui va te boire mon angamoté mamabé. En tout cas, ça, je te le dis. Bébé, s'il te plaît. Tu ne peux pas t'énerver autant. Vous êtes amis, Boyebani Leloté, votre relation est Zayakala. Vous travaillez ensemble, vous êtes potes, vous êtes collègues et tout ça. Tu ne peux pas tout gâcher comme ça. Essaie un peu de te calmer. Puis ça est pétant, tu vois, à Zamoutou. Peut-être qu'à 5 heures, on manque quelque part. Puis ça est temps qu'il réfléchisse un peu. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver la solution ensemble. Je ne réfléchis pas. Hein. Bébé, moi ce que je veux, est que aux Zamambo, en mauvais terme, t'es dans mon image. C'est quelqu'un de bien, il est assez gentil. Et je ne suis pas sa meuf, hein. Moi je ne suis pas sa femme, je ne suis pas son petit frère. C'est ton pote, tu peux me parler comme bon lui semble, ça va pas ou quoi? Tu peux te calmer, vous allez trouver une solution ensemble, je te promets. Je l'espère en tout cas, mais qu'il ne compte pas sur moi parce que je ne ferai pas ça. Qu'on se le dise. C'est ton ami, tu dois l'aider. Je ne refuse pas. C'est ton pote. Mais à chacun son problème. Voilà. Arrête d'être si dur, c'est ton pote, c'est ton... Voilà. C'est pas un comportement digne. C'est pas un comportement digne. Si l'homme parle, toi tu tonnes. Tu peux tonner de 3h du matin à 5h. Ma fille. C'est quelle sorte de femme? Ce n'est pas de la sorte que je t'ai élevée. Ce n'est pas notre éducation, Toutou. Hein? Ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est la famille de ta mère. Et jusqu'à montrer à ton monsieur que c'est toi. La patronne, mon la père patronne de la maison, c'est toi qui lui as donné tout ce qu'il a aujourd'hui. Parce que ton père a quelque chose, il ne peut pas tonner sur toi, il ne peut pas te donner des ordres. Ça, c'est quelle éducation? Tu l'as beaucoup gâté. Tu fais la honte de cette famille, Naomi. Ce n'est pas de la sorte que tu t'es élevé, ni éduqué, manqué du respect. S'habiller à moitié. Ferme ta bouche, tu veux quoi? Tu veux répondre à ton père? Naomi. Tu veux répondre à ton père? Tu t'es habillé à moitié nu avec ton père. Si tu blagues avec moi, je peux te grosser maintenant. Tu t'es habillé à moitié nu ici chez moi? C'est quel comportement? Et maintenant, comment tu peux le faire chez toi à la maison? Dans ta maison? Regarde comment. Le mariage n'est pas une entreprise, ni une société. Quand tu es marié, il faut te soumettre. On a dit que la femme doit être soumise. Tu dois te soumettre à ton mari. Ce n'est pas significatif à être esclave. Hein? Je ne peux pas l'accepter. Quel esclave? Il ne peut pas. C'est lui le chef de la famille, le chef de la maison. Tata, est-ce que vous comprenez qu'il s'agit de votre fille? Notre fille qui se comporte mal, c'est de m'écouter. Ce que vous avez. Le monsieur est venu tromper ton père. Il est venu de maçon. Qu'est-ce qu'il peut raconter de et bon pourquoi, si toi tu avais raison, pourquoi tu n'étais pas venu avant pour dire tout cela à ton père? Je suis ta fille. Ok. Tu m'as élevée. Moi, je sais que tu es gâtée. Ton père t'a gâtée. Tu m'as élevée ainsi. Mais tu fais ma honte, ma fille. Il me pousse. Il te pousse à faire quoi? Il me pousse à bout. Il me rend malade. Je ne suis pas son esclave. Je ne suis pas sa boniche. Je ne peux pas faire le vaisselle. Je ne peux pas cuisiner. Je ne peux pas tout faire. Il est là. Il peut m'aider. On est une domestique pour ça. Le cœur, ça va aller, bébé. Hein? Ouais, espérons. Ça ira. Je comprends. La compréhension, ce n'est pas suffisant. Je nous demande la grâce quand même, la grâce. Je pense que la personne qui peut m'aider, c'est mon chef Guy. Le chef Guy? C'est la seule personne qui peut trouver une solution. C'est vrai? Il peut faire quoi? On peut lui demander, non? Il a un mot sur le sujet, en fait.
tu vois. C'est le chef, c'est le numéro 1 ici à Kinshasa. Il était à Lubumbashi, on l'a mité ici, donc c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est le chef, le numéro 1 ici. Donc si... Il suffit qu'il décide, rien que sa décision, tout peut changer. Mais à ces moments, je te dis chérie, sans te mentir, je risque de faire la prison. Ça, je t'assure. Et je me pose déjà des questions. Comment est-ce que je peux trouver la solution? Bébé, tu ne vas pas faire la prison. On va voir le chef pour lui demander. Non, je ne peux pas ça. Si on doit donner quelque chose en gage ou quoi, je ne sais pas. C'est une horreur, il devrait comprendre. Il sait de quoi je suis capable. Si réellement je suis innocent, Dieu va me défendre. Mais tu ne peux pas entrer en prison, chérie. Bah, c'est la logique. Hein. En étant fautive, je suis obligé de... Est-ce que... d'accepter... Si tu es en prison, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais m'en sortir? Comment je peux pas... Écoute, ne sois pas négatif, ne ferme pas de porte. Dieu va nous aider, ça ira. Ok? Ça ira. Allez, viens, dans mes bras. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. D'accord? Elbi, elle est où? Elbi? Non, mais elle n'est pas là. Imagine qu'elle n'est pas là. Cette femme, cette fille qui vient encore, on a assez de problèmes et elle veut rajouter. Elle se prend la tête. Elle est partie. Je sais pas. Elle est tout le temps, madame. Madame, je peux partir à 12h. Aujourd'hui, elle est partie à 12h pour me dire qu'elle a de trucs à faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Elle va me cochonner la vie. Quoi? Je peux plus sortir, j'ai plus d'entrée, j'ai plus rien à faire. Mais c'était de faire la vaisselle. Là, je lui ai aidé pour devenir ce qu'il est. Hein. Il me doit rien. Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous en prêtez mal, ma fille. Ah, voilà. Hein? Vous devez exporter, de m'importer les histoires de l'Europe pour venir avec ça ici, au Congo. Ma fille. Ce n'est pas notre coutume, ça. Ma fille. Que ton mari t'aide à faire la vaisselle, à faire la lessive. Ma fille, il n'est pas obligé de faire ça, mais... Ma même fille, si ton père avait beaucoup d'argent, il a un peu pistonné les garçons. Ce n'est pas la raison pour les gérer. Hein? Non. Ce n'est pas la raison pour les maltraiter. C'est pour cela Adam nous a accusé chez Dieu, la femme que tu as mis à mes côtés. Toi, ton mari t'accuse partout. Il est même venu t'accuser chez ton père. Hmm? C'est la honte. Si on vient, un mari vient à la famille pour déclarer que sa femme ne se comporte pas bien. C'est la honte pour la famille. Ça montre qu'on t'a pas bien éduqué. Tu es une fille ratée. Ma fille, on ne vit qu'une seule fois. Et puis si tu rates le mariage, c'est la fin. Comme tu seras déséquilibré, je t'ai dit. C'était ça la fin du monde. Naomi. Papa. Regarde tes amis. Les mariages. Regarde le mariage de tes amis. N'est pas un chemin dans les retours. Tu veux rentrer encore ici pour dire papa, et papa, tu m'as vraiment papouné. Il faut savoir respecter ton mari. Yaya, il ne faut pas caresser ta fille. Non, je ne la caresse pas. Et je lui dis des choses. Chérie. Il a trouvé l'argent. Si tu veux respecter et ton mariage, quoi, si la tu plus veux belle réussir de ton mariage, les il faut être soumise. Dans les prières. Il faut être soumise. Papa, je suis. Il y a des filles belles, plus belles que toi. Trop belles même. Qui n'ont trop pas de mariage. Et qui sont fiers en sont d'opportunités. Hein. Elles sont errantes. Par-ci, c'est pas ton argent, c'est l'argent de ton père. Mais des gens dans chérie, ce monde qui chérie, se prennent la tête, chérie, vraiment. Chérie, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Chérie, hein? Chérie. Elle peut vraiment avoir un commerce ou avec un fonds de 100 dollars même. Je t'appelle, on dirait, chérie. Tu me réponds d'abord, chérie. D'abord, elle est issue d'une famille pauvre. Le temps de nourrir sa famille, de payer les frais pour ses frères ou je ne sais quoi. Elle va rester avec combien pour faire quelque chose. Tu veux bien me répondre, chérie? Oui. Tu étais en train de me consoler, n'est-ce pas? Excuse-moi, je t'ai allez, bien, rentre. Albi n'est pas notre cible. Ah, mais ne l'appelle pas comme ça. Allez, vas-y, reste. Ah. D'accord. Tu peux trouver une solution pour moi maintenant? Par rapport à quoi? Par rapport à ça? Viens. Bébé, moi je suis qui pour le chef? D'abord, par où je vais commencer pour c'est lui pas... demander je de te faire demande pas cette ça. Faveur? Je suis qui? Je te demande pas ça. Il t'a aidé. Arrête un peu, il s'il t'a te aidé. Plaît. Vu ton comportement, tu n'allais même pas trouver un bon mari. Parce que tu te comportais mal. Ok, Milo. Qui ne connaît pas ton comportement dans notre famille? Ok, c'est bon. Je t'ai venu pour qu'on me fasse le reproche
ou comme un tape moi alors. Là, je suis fatiguée. Tape moi alors. Tape moi alors. Moi, j'étais la cité. Tape moi alors. Si tu veux me taper, tape moi. Je supporte pas ça. Si tu voulais me parler, tu allais me parler seule. Si tu as appelé ta soeur pour m'insulter, là, je n'accepte pas. C'est mon mari, il n'a qu'à me gérer, c'est lui. Ok? C'est pas ici qu'il va gérer nos affaires. On a une maison, on a un toit. Pourquoi il vient en parler ici? On a des parents pour ça. Arrête. C'est fatigant. Arrête. C'est ainsi que tu dis, il faut parler à tes parents. Blague avec ton père. Non, mais les enfants sont pas blagues avec moi. Blague avec ton père. Moi, je blague pas avec les enfants. Elle ne t'insulte pas. Elle te dit des choses. Et je te dis la vérité. Ça blesse, non? Ça te blesse. Il faut respecter ton mariage. C'est ça, non? N'importe quoi. Tu es devenue comme une fille de la rue. Qu'est-ce que tu crois? La plus belle. Mon père a beaucoup d'argent. Toi, tu connais les enfants des comités centrales, les enfants de Mobutu, tu les as connus. Hmm? Le temps de un père. Donc, je dois commencer à me plier à quatre quand il parle ou encore, je ne sais pas moi, je dois m'étaler quand il veut dormir. Je dois jouer le rôle de tout pour lui ou quoi. Come on, on n'est plus là dans l'ancien temps, on est en plein 21e siècle. Mobutu est déjà passé, c'est révolu. Ah bon? Ces temps-là n'existent plus. Rentre ici, pourquoi tu avais accepté le mariage? Toi-même, tu savais que le monsieur n'avait pas. Ok, il avait rien. Je donne raison à ton mari. Je donne raison à ton mari. J'ai fait ma part. Je regrette, hein, ma fille. Je regrette. Il y a des femmes là dans les églises qui sont en train de prier pour chercher le mariage. Et toi, tu négliges ton mariage aujourd'hui. Demain, tu vas pleurer. Tu vas chercher des sorcières. Et puis, moi, je ne serai pas sorcière. Moi, je suis la tante qui parle clairement. Et toi, tu vas chercher maintenant des sorcières. Et mon papa n'est plus, ou bien mon papa a fait ceci. Ma tante, c'était ma tante qui m'a ensorcelée. Mais sérieux, hein? Il fallait qu'on arrive là. Mmh. J'ai besoin qu'on parle de la sorcellerie. Et tu ne fais même pas un effort pour trouver un enfant. Tu ne fais même papa, pas cet effort. Tu me connais, ok? Tu m'as parlé, c'est bon, je rentre chez moi. Je vais m'améliorer. Ignorez-moi, je suis là pour tes côtés, même si tu m'ignores. Je suis là et puis je parle. Je te dis toutes les vérités. Je veux m'améliorer, je vais essayer de faire de mon mieux. Qu'ils s'y mettent aussi, qu'ils fassent aussi du sien. Je suis pas la seule dans cette maison. Hein. Je suis pas la seule, on est à deux. Je fais ma part, il faut aussi sa part. Si tu n'arrives pas à travailler, papa, tu es faible là. Hein? Ok. Tu es fainéante. Cherche une domestique. Tu peux partir. Merci. Il ne manque plus que ça. Il manque plus que ça. Yeah, tu vois maintenant les conséquences. Quand je te disais, tu gâtes beaucoup ta fille. Mais elle est l'unique que j'ai. Et si elle est l'unique, tu vas la perdre maintenant comme elle est unique. C'est pas si beau comme ça. C'est ça. Et ça va, comme ça. Je vais voir ta tête en entièreté. Ok. T'as un joli couple là. Arrête de faire ça. Ah ben non, c'est ce qu'on fait ici au camera photo, au selfie. T'es obligé. Arrête tes conneries. Oui. Entrez. T'es beau mon mari. Attends. Bonjour. Hey, bonjour madame. Bonjour. 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 Là, comme ça. Là. Comme ça. Pour ça, ma bonne. Non, mais elle m'a quitté. Robe, n'a pas tout à l'heure. Tu peux arranger ta robe. Non. S'il te plaît. Lève-toi. On t'appelle comment? Mambouini, maman. Tu sors beau comme ça. Et qui t'a dit qu'on cherchait quelqu'un ici? T'es maman, non, les canaux bêtes à porte par porte que tout n'a qu'à couler comme ça là pour nous le commandant beaucoup là-bas. Ah, tu as des enfants? Là-bas, mi-bas. Ok, comme ça, t'es venu chercher ton fonds de commerce ici? Pour aller élever tes enfants? T'es maman, non, quoi, quand on a beaucoup là-bas, on a beaucoup là-bas, on a quand même beaucoup. Chérie, la bande au sale. Tu as besoin de combien pour partir? T'es maman, non, le copinom sale. Tu peux rester pendant combien de mois? Un, deux. Ok, madame, c'est
Ça tombe bien. Charles, je suis la maîtresse de la maison. Je sais. Ok, laisse-moi gérer. Ça tombe bien parce que madame aussi a. En amont, je gère la cuisine. Malheureusement, nous sommes au salon. Ouais, ça tombe bien parce que madame. Charles, j'ai fini. Merci. Madame, tu habites où déjà? Dans Timbouzi. Ok. Comme par hasard, avec des chiens comme ça, tu viens chercher du boulot. Tu sais, maman, on a un peu la bine en ligne, la bine en zéboula. Mais tu as un peu de temps. Mais c'est à la canne à bine à prendre aux amants beaucoup là-bas. Ok, c'est bien. Tu commences quand? Attends, c'est quoi, maman? T'es mariée? T'es mariée à qui m'a son nom là-bas? Bon, ça va même discours. Ok, place pour l'abandon, ça là, ma canne à. D'accord, c'est bon, ça sera tout. Je parle trop déjà. Ça va. Tu te trouves comment? Moi j'ai ma secrétaire au boulot. La maison c'est ton bureau. C'est à toi d'engager les gens. Tu as un numéro? Tu n'as pas téléphoné. Parce que quand tu parles, tu es obligé de faire ça. J'aime pas ce genre de trucs. Hein. Moi ça m'indispose. Si, j'aime pas. Non. Ce sont trop des seigneuries, je supporte pas. C'est pas la politesse ça. Ce sont des hypocrites qui viennent comme ça. Tu sors de nulle part et puis tu viens faire des. Après, quand tu auras 2-3 mois de salaire, tu me dis ça va. Tu fais la grande gueule. Désolée. Tu commences demain matin. Merci. Merci. Et s'il te plaît, quand tu viendras, ne mets pas cette robe. J'ai une tenue pour toi. Tu m'enlèves ça. Ça me ressemble pas. Merci. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci beaucoup, papa. Merci. Bon matin. D'accord. D'accord. Ah, attention à mes chaises, hein, s'il te plaît. Évite de les tâcher. Oh, merci. Merci. Je la trouve pas mal. Tu deviens de plus en plus arrogante, de plus en plus hautaine, de plus en plus je ne sais pas. Tu changes du jour au jour. Charlie, tu voulais la générosité avec une telle personne? Non, tu as juste tendance à minimiser tout le monde, à marginaliser les gens. Ce n'est pas tout. Non, mais attends, il est quoi? Elle est quoi? C'est une personne. Et? Un être humain. Et? À la recherche de quelque chose. La recherche de... utile, à la recherche de quelque chose. Si cause à la moine, à la qui est importante, tu allais tout faire à la maison. Puisque tu l'as cherché, c'est que. De quelque chose là, je ne sais place. Pas. Asana, je suis la dame de la maison, elle fait ce qu'elle a à faire. D'ailleurs, pourquoi on discute si c'est pas ton ça, problème? S'il te plaît, tu dois on est obligé de parler de ça. Tu dois arrêter ça. Oh. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu es obligé de me coller un procès après. Tu dois changer ta façon de vivre avec les gens. Mais si je ne la supporte pas, je peux aussi la changer. Hein. Comme je change de vêtements, je peux changer de domestique. De toutes les façons, je n'ai jamais eu besoin d'une personne. Toi, un jour, si on t'est changé, qu'est-ce que tu diras? Tu me vois? Ah. Tu es tellement tu sais d'où je sors. Tu es tellement canon, super, sexy, donc tu as tout. Même pas ça. Hein. Silhouette. Au-delà de parfait, ça, j'ai tout donc... ce que je veux. Ah, okay. J'ai les deux le bas âge, j'ai pas eu besoin de souffrir et de faire ça. D'accord, j'aime quand tu te glorifies. Merci mon chéri. Je dois prendre un verre. Je t'aime. Je t'amène aussi? Non, de l'eau. Sympa. De l'eau. Ok. Thank you.
Comment tu vas, maman? Ça va, Rosa, bien? Oui, ça va, très bien, Dieu fait grâce en tout cas. Mambouini! Papa! Maman n'est pas rien? Si, papa, maman m'a mis l'autre. Oh, maman, et pourquoi? Non, ça va, ça va. Ma mère, ta mère, elle a mis l'autre, papa. Ok, d'accord. D'accord. Merci. Mieux, petit programme à l'autre, papa, sur la scène. Non, non, l'amba, n'y a pas sur l'amba. Ne te dérange pas. Moi, je ne suis pas compliqué côté, côté à manger. Merci, okay? Papa. Nous avons un sengo, nous avons un nene, nous avons un lèse, mais nous avons supporté pour que maman nous ait un bien. Non. Moi, si nous avons insolente, impolie, et puis nous avons un lobino qui est un faux silica. Papa, nous avons remarqué le comportement, moi, si nous avons supporté un côté. Combien de fois nous avons eu très bien. Tozongi na biso papa soki kisasa to mone simbite banzela ko kendeze bele bandundeza vaste ba kongweza partout to ko kendeza mboka na biso. Mama, tout va bien. Problème ezate na kati ya mariage là. Problème ezate. C'est vrai, on est humain. Tu as été marié avant moi. Tu sais que dans un couple, il y a les hauts, il y a les bas, il y a des discussions, mais du moins famille nyon so bay ba ney ba bon, ça va pas problème na bango. Mais en général, tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas encore récupéré ma santé, c'est parce que je suis trop pris dans le travail. Je travaille trop. Je travaille le matin, je travaille la journée, je travaille le soir. Tu rentres est-ce à la maison, il y a des appels. Nazan a besoin d'ailleurs. Nazan a moins à cacao. Je le sais, maman. Hein? Je le sais très bien. Vini. Ah, Seigneur. Nzambe. Maman, tu dois comprendre, tu dois aussi savoir une chose, ce n'est pas à moi de te le rappeler. Belle vie, moi c'est à Bunga qui n'en est pas. Moi c'est mon quoi respect. Moi c'est mon quoi comme quitter ça. Moi c'est mon quoi bolingo, mais oyo. Oko kozu langai oyo. Malgré azo foutre, mais son daku, naza kolia bien, mais naza leste. Vous me coûtez n'allez en dunda bolo, que n'allez en gomme ma foot à la place des angi kimia. Papa, vini ko bombe l'angaite, ngai soke na moni a instant, papa na yo kozo na miso moi sinon, na zo ne pas na biso. Maman, tout va très bien. Ozo ba vérité. Maman, tout va très bien. Tu peux me poser cette question mille et une fois aujourd'hui, demain, après-demain, aussi longtemps que moi je sais ce que je fais, je te dirai, tout va très bien. Je suis bien dans mon mariage. Ce qui est sûr est que oui, ma femme elle est insolente comme tu l'as dit, elle est hautaine comme tu l'as dit, orgueilleuse, elle minimise les gens, ça je le sais. C'est un comportement, je ne sais pas si je dois dire inné, c'est un comportement qu'elle a depuis son enfance, depuis qu'on était à l'université, c'est comme ça qu'elle était. Et puis ce n'est pas du coup demain ou après-demain directement de changer la personne. Et surtout si on doit comprendre que la personne ne change pas, elle tourne juste sa veste. Maman, ça je le sais. Mais ne te dérange pas maman, ne te dérange pas. Je sais qu'une personne ne change pas, c'est ce que je viens de dire. La personne ne change pas, elle tourne juste sa veste.
demain après demain, la vraie personne là où ils en a quatre finir dans mon séjour par Kobima. Ce n'est pas à moi d'échanger Naomi Ngolela par rapport à une éducation qu'elle a reçue pendant toutes ces années depuis son enfance. Ce n'est pas à moi d'échanger cela dans un espace de quelques jours. Mais si c'est comme ça, Maloya, je ne suis pas Nayote, papa. Mais je sais. Quand le comportement de Maloya ce soir, pour à mon arabe, minimiser. Est-ce que tu peux me rendre un service, maman? Nani? Tu peux vraiment me rendre un service. Nandegeni? Essaye de minimiser tout ce qui se passe. Reste toi. Va monter la montazolia, que monter la montazolo. Montazolo va repérer son cacan. Hein? Pour montazolio le bien, nous avons besoin de coups mazuné et l'orakolé. Mais montazo quatre non mangalo, à cause de plus ça y est. Mais maman, d'après nous, maman a supporté. Eh maman, mais yo monte botinga y, nga nous a monté mon oeil à cause supporter. Fais profit de moi comme moi. Est-ce que c'est trop te demander vraiment? Lomata. Est-ce que c'est trop te demander? Banda lelo, na longoli ngole la komi lomata. Ndenga komi lo mata mbongo na takabelinga na kozwa te moyo na kozwa mbongo no parce koza mwana kozo sala na berite na zwango me ye ata pesinga $1000 na kozwa te papa oza na mwasi moko na ibi place ozali omoni ba ona yenda ko na baba baka yo na kuluzwa wa me nzamba ebi injure kusila nga na kena ngai. Et puis, j'ai remarqué une chose, maman. À chaque fois quand tu viens chez moi, tu viens, tu parles, tu finis, tu t'élèves, tu pars. Parce que nana soussou ma casse. Donc, toi et moi, l'isolo na biso, l'isolo ya moi, nana, maman, normal, les ala, les soussou, les ala, juste. Et quand la normal, en dernier temps, tu as l'eau mata. Ma kambazo matara toujours le kanda. Na reçoit tant, ya reçoit l'isolo, maman, la moi, en dernier ni papa. Mais j'en ai aussi besoin, maman. Je reste toujours. Ma desu na gessi la qui a. Donc, on a tiaka dibi bundeli. Et tu as dit que 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 une chose, les mariages chez les Africains, ce n'est pas comme chez les Blancs. Chez les Blancs, c'est normal. Tu peux épouser une femme aux huiles ou qui vous va nanda pour juste vous deux. Vous n'avez pas besoin de la famille. Mais ici, nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo. Le mariage, c'est aussi la famille. Je ne supporterai pas ce que ma mère se pointe ici dans ma maison, que tu puisses te comporter bizarrement. Fais ça avec moi, je suis ton homme, je comprendrai, je vais cacher tes saletés. Mais pas chez ma maman. Ça, tu dois le comprendre. Vous avez une vie okay. De lamentation de jamais ou quoi? C'est quoi le problème? De quoi vous plaignez? Qu'est-ce que tu appelles lamentation? Qu'est-ce que tu appelles? Tu te plains pourquoi? Je ne me plains pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Attends, mon amour. S'il te plaît, j'aime pas quand je te fais des remarques, tu m'appelles mon amour. Ce ne sont pas de remarques. Là, tu me fais des remarques qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Je dis la chose telle qu'elle se présente. Je ne peux pas traiter une boniche pour une, je ne sais pas, une servante de Dieu. Je ne te parle pas. Je ne te parle pas de la bonne. Je ne te parle pas de la bonne. Ok, puisque tu veux... Je donne des exemples typiques pour t'amener à une compréhension facile. Parce que là, je crois que vous avez un problème de compréhension. Vous, okay? Quand tu parles de vous... La personne qui se plaint auprès de toi, je ne sais pas qui... Non, tu emballes tout. Et moi et ma maman, c'est ça? Je ne sais pas, ça dépend de la personne. Permets-moi de dire que tu es impoli. Ça permet parce que tu veux à ce que tu aies et donc oignon sort na combo. Ah, tu crois que toi tu vas m'amener à la rééducation? Non, s'il te plaît. Tu veux à ce qu'on appelle chaque chose à son nom. Donc permets aussi que je te dise que tu es impoli. Mais toi tu dois me glorifier. Qui c'est moi? Tu me dois tellement que ça m'éclose. Tu te prends la tête? Bah oui, c'est vrai, tu te prends la tête? Oui. Et pourquoi tu fais tout ça? Parce que je le mérite. Tu le mérites? Oui. Parce que tu as fait quoi? Je mérite une seigneurie. Je mérite une seigneurie. Ok, je mérite tellement de choses. Je te remballais de là où tu n'étais pas. J'ai pris ta pauvre mère, auquel sa vie n'était née qu'un fil. Si je n'étais pas là, elle allait être 6 pieds sur terre. Sous terre, si je peux le préciser. Je t'ai pris toi, avec un t-shirt, je me rappelle, c'était grise. Il y avait des taches comme si tu avais mis du javel là-dessus. C'est ça. Aujourd'hui, tu es en chemise, tu connais du façonnable.
Aujourd'hui, tu sais quelle maison porter tes chaussures. Aujourd'hui, tu chose. Sais t'éteindre devant te une réunion. Aujourd'hui, tu sais t'éteindre devant l'assemblée. Et après ça, tu me traites d'impoli. Laisse-moi te rappeler une chose. Tu étais derrière moi, c'est toi qui me courais après. Et alors? L'habitude, c'est l'homme qui court derrière la femme. Mais et toi et moi, c'était le contraire. C'est toi qui le faisais. Et alors? Et je t'avais dit, le jour où tu as aidé ma maman, tu n'étais pas obligé. Ok, j'étais pas et quand obligée. Tu me parlais des syllabus, interrogations, tout ça, TP à l'université, je te disais, je te le répétais, tu n'étais pas obligé. Ok, tu n'étais pas obligé. Écoute, s'il te plaît, ta position familiale, tout ce que tu as comme argent et tout, c'est pour toi et tes parents. Ce n'est pas ici dans ma maison. Ah, c'est profiter aussi pour ta famille. Ce n'est pas ici dans ma maison. Ta famille en bénéficie. Ta mère a quitté son toit là où elle était de nulle part. Ta cousine a changé son accoutrement. Maintenant, elle met de vicaire, d'accord, c'est ça? Laisse-moi te et dire toi, une chose. Et toi, regarde-toi, tu es en chemise. Et d'accord. Tu sais porter la montre. Ce n'est pas un problème. Oh, et je ne regrette pas d'être ici avec toi. Ça, je ne le regrette pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je ne les regrette pas? Et pourquoi? Et parce que je sais ce que je fais. Peut-être un jour tu le comprends. Aujourd'hui tu ne l'as pas encore compris. Mon cher mari, okay? Arrête. Hein? Arrête un peu. Hein? On n'a pas le temps de revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Si ta mère ne me supporte pas, elle n'a qu'à me supporter. Je suis déjà sa belle-fille, si on peut le dire. Depuis longtemps, elle aurait dit refouler mon argent quand elle était malade. Elle était née qu'un fille. Et puis aujourd'hui, tu viens me crier, maman, c'est plein. Chien. Et puis arrête un peu, hein. À tout moment de me parler de mon comportement et tout ça là. Mon père s'est pas plaint depuis mon bas âge jusqu'à ce que je devienne comme ça. Et toi tu es venu juste après pendant qu'il y a quelques... Ah, don't touch me. Tu continues à parler, Tu continues? Enlève tes sales mains. Non, tu suis, tu continues? Tu essuies mon visage. Tu sais que je peux te... Tu vas essuyer mon visage. Tu sais que je peux te faire très mal, tu le sais. Je peux te faire très mal. Très doux pour le faire. Ça te ressemble en rien du tout. Merci. Je m'en doutais que tu allais poser ta main. Je ne suis pas celle qu'on peut lever la main facilement. Cher Marie. Je m'en vais, désolé. Excuse-moi par rapport à tout ça. Ok? Tu dois comprendre, parfois dans un couple, il y a toujours des discussions, il y a des choses qui se passent. Je suis entré dans un mariage, je ne sais pas si... C'est... Non, je ne dirai pas que c'est par erreur parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je le sais. Sinon, je n'allais pas me marier avec cette fille. Il y a une personne que j'ai toujours aimée dans ma vie. Et je continue toujours à l'aimer. Mm-hmm. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de s'expliquer par rapport à beaucoup des choses qui se sont passées avant ce mariage. Sinon, elle allait me comprendre, je n'allais pas me retrouver dans cette maison. Mais je sais que ça ira. Pour ne pas trop de caca, on est d'accord avec toi, on est ici. Ça va. La personne est en mer avec toi. Non, ça va, ne te dérange pas. Tu peux continuer ton travail. Merci. D'accord. Tu n'as cessé de déjà me confier. Ok, d'accord. Merci. Comme je l'ai dit, en tout cas, Vini est en train de traverser des moments difficiles, t'as pas idée. Donc il vit le calvaire de sa vie dans cette maison. Cette soi-disant Naomi, en tout cas, c'est la diablesse en personne, une vraie sauvageonne. À la voir comme ça, je te dis, elle donne pas l'air, hein. Mais qu'elle ouvre seulement sa bouche, oh là là. Une vraie racaille. Et on va... Des fois, je me pose la question, comment est-ce que Vini est arrivée? Mais Marina, c'était pas ta mission. Laisse-moi d'abord finir. Non. Je sais. Je suis allée dans cette maison comme une espionne. Alors? Je suis allée dans cette maison pour me venger. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, ma chère, même si c'était toi, tu allais avoir pitié de cet homme. Vini ne jure que par ton enfant. Il ne jure que par ton amour. Il regrette infiniment. Et tu sais qu'il est même arrivé jusqu'au point de m'expliquer tous ses calvaires. Tu peux te rendre compte? Un beau jour, Jésus se prend en train de se disputer. Bah, je te dis, c'est la pagaille. Hein? Cette fille s'est mise à râler. Cette fille s'est mise à insulter Vini comme pas possible. Il a rappelé à Vini comment est-ce que Vini était pauvre. Il a rappelé à Vini comment est-ce que Nut était elle, sa mère allait être enterrée 6 pieds sous terre. Il a expliqué à Vini comment est-ce qu'il habitait une hutte, une cabane. Imagine-toi.
Kevin, c'est une crève là. Mais comment, mais comment, mais comment, comment il a choisi cette fille pour abandonner son amour? J'en viens, non, j'arrive là. Attends, laisse-moi d'abord. Et tu sais pour conclure. Attends, tu sais ce qu'il me dira? Marina, tu sais ce qu'il me dira? Fais ton travail, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord. Maman, tu crois que moi je peux choisir de venir par. Maman, laisse-moi d'abord finir. Laisse-moi finir. Et pour conclure, tu sais ce qu'il me dira? Il m'a dit, si au moins cette fille-là avait eu le temps de m'écouter, si au moins elle avait eu le temps de me laisser l'expliquer. Moi je dis, ah bon? Parce que là-bas je ne parle qu'un mauvais, je parle que Lingala. Et là-bas tu sais comment est-ce qu'il m'appelle? Je t'ai jamais dit, hein? Mambouini.